Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va se faire un petit crash test de pas mal de produits que j'ai pas encore essayé jusqu'alors, qui traînaient dans mes tiroirs. Ça va être une vidéo un peu crash test et puis on va papoter, petite vidéo à la cool, vraiment petite vidéo sympa. On va pas se prendre la tête. On va tester ensemble un fond de teint, on va tester des crayons yeux, des crayons lèvres, on va tester un produit à sourcils, on va tester un highlighter, une nouvelle brume fixatrice de maquillage aussi, un nouveau mascara, enfin pas mal de petites choses, tout en papotant. Donc le résultat final c'est ça, je vous montre tout de suite un truc assez simple. Hein. Vous savez que sur ma chaîne, c'est rarement des make-up à la Marion Caméléon. Je n'ai pas ce talent déjà et ça ne me va pas du tout dans un deuxième temps. Donc ce que je vais tester là, c'est pas forcément des nouveautés qui sont sorties hyper récemment. Mais voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne par exemple, si vous me découvrez via cette vidéo, moi... je ne suis pas ce qu'on appelle une serial testeuse. C'est-à-dire que j'achète certes des produits, des nouveaux produits de maquillage de temps en temps. Mais déjà en ce moment, j'en achète beaucoup moins. Là, ma dernière commande, c'était Martine Cosmetics. Voilà, je ne suis pas une chaîne sur laquelle je vais tester tout le temps les nouveautés. Ce n'est pas vraiment mon contenu. Moi, je suis plutôt, voilà, skincare et make-up. J'aime l'un autant que l'autre. Mais j'aime bien tester aussi des petites nouveautés. Là, ce que je vais essayer là, c'est des choses qui ne sont pas forcément sorties dans les derniers jours ou les dernières semaines, mais en tout cas qui sont nouvelles pour moi, donc j'ai envie de vous donner mon avis dessus. Je fais l'intro déjà maquillée parce que j'ai eu la mauvaise idée une heure avant de commencer à filmer ma vidéo, à m'épiler les sourcils, la lèvre et tout, me percer tous mes points noirs, mes boutons évidemment. Et donc j'étais rouge comme pas possible, la super idée avant de filmer. C'est pour ça que je me suis dit, je vais filmer l'intro maquillée parce que sinon 90% des gens vont zapper, ils vont prendre peur. Vous le verrez quand je serai nature peinture. Et je vous mettrai tous les produits que je teste dans cette vidéo dans la barre d'infos bien sûr si ça vous intéresse. Franchement j'ai découvert là dans ce tuto... des petites pépites et vraiment petits prix qui valent vraiment le coup. Donc tout sera là-dessous dans la barre d'infos, mais comme d'hab, si vous avez des questions, etc., vous me les posez, vous savez que je réponds à tous les commentaires. C'est le but de ma chaîne, de partager. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion, n'hésitez pas à faire tout de suite. Vous cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner pour me donner de la force, me donner de l'amour, ça m'encourage. Pour vous, ça coûte rien, c'est gratuit. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Insta, c'est gratuit aussi. Voilà le rendu de mon make-up final. On est sur un teint assez light, des yeux light aussi, mais avec une petite technique que j'ai pas l'habitude de faire en vidéo. Et des lèvres assez peps, avec un produit auquel vous vous attendez pas du tout, je pense. Allez, j'arrête de blablater, je vous laisse avec le tuto. Attention au choc, quand il va y avoir la transition, je vous préviens. Attention, à tout de suite. Me voilà. Eh, vous comprenez pourquoi j'ai pas fait l'intro comme ça, au naturel? Non mais franchement, eh, mais quelle idée. En fait, j'étais en train de me préparer pour faire ma vidéo. Je vois des petits poils de sourcils qui dépassent et tout. Je me suis dit, allez quand même, épile-toi les sourcils avant de faire ta vidéo. Sauf que comme j'ai un miroir grossissant, je commence à enlever un poil en entraînant un autre, etc. Avec le miroir grossissant, tu vois tous les points noirs, les machins. J'ai fini à m'enlever tous les excès de sébum, tous les points noirs, tous les poils partout. J'étais rouge comme une patate. Une patate. Enfin, je crois que c'est pas rouge. Non, c'est pas rouge, une patate, mais... enfin, j'étais rouge comme une patate. Je me suis dit, laisse tomber, tu vas pas filmer comme ça. J'ai attendu au moins une demi-heure de dérougir. La bonne idée, quoi. C'est comme quand tu décides de te percer les points noirs et tout, juste avant, je sais pas, avant d'aller au boulot, avant un rencard, enfin, avant un truc important, quoi. La super idée. Bref. Donc je suis nature peinture, j'ai enlevé tous mes bijoux, j'ai rien fait, j'ai juste appliqué, si, une crème ce matin, une nouvelle que je viens d'essayer et franchement qui est pas mal du tout. Enfin j'ai essayé ce matin, mais j'ai adoré. Je l'avais acheté dans un petit coffret Origins, vous savez, c'est la crème, alors elle s'appelle Ginseng, gel hydratant énergisant non gras. C'est cette petite crème là, donc ça c'est le petit format. Franchement je l'ai utilisé que ce matin, mais trop bien. Texture super agréable, effectivement un petit gel comme ça, mais pas collant. Il y a marqué énergisant dessus grâce au ginseng et c'est vrai, tout de suite ça m'a donné un coup de boost. Franchement, bon, je vous en reparlerai, hein, je vais continuer de l'utiliser, de la tester. Mais là en tout cas, première impression, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça réveille la peau quoi. Du coup je vais y aller direct au fond de teint. Alors c'est assez rare hein, que j'applique des fonds de teint, vous savez. Je me suis séparée de la majorité de mes fonds de teint, je crois que j'en ai gardé trois, mes trois préférés. J'ai trouvé celui-ci qui traînait dans mon tiroir depuis je sais pas combien de temps. C'est un fond de teint stick et c'est le fond de teint stick de Fenty Beauty, le Match Stick. Donc le packaging se présente comme ça. Donc il y a tout plein de teintes, hein. C'est l'avantage chez Fenty Beauty, c'est que vous avez vraiment des teintes pour toutes les carnations.
Moi, j'ai pris la teinte Maple, donc je ne sais pas si ça va aller, on va voir. Alors, le produit se présente comme ça. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est une sorte de plastique beige, mais mat. On a juste la petite inscription ici, Fenty Beauty. Donc, il fait 7,10 g. Bah ouais, vu que c'est un stick, ce n'est pas en millilitres. Et voilà, moi, ce que j'aime bien avec les fonds de teint stick, c'est qu'on peut vraiment contrôler le dosage, contrôler donc la couvrance. J'en ai un seul que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, de chez Shiseido. C'est mon fond de teint stick préféré. Et j'avais envie d'essayer celui-là. Et alors, ce qui marque sur le packaging, c'est que ça peut servir de fond de teint, de concealer, de correcteur, de contouring. A priori, c'est un fond de teint qui est longue tenue et qui est léger comme l'air. Donc, c'est ça qui m'a attirée aussi. Vous me connaissez un petit peu maintenant. Parce que tout ce qui est fond de teint à moyenne couvrance et tout ça, moi, j'ai arrêté. Donc, on va l'essayer. J'espère que la teinte sera la bonne. Quand je l'étale, en tout cas, sur ma main, là, comme ça, vous voyez, la teinte Maple, elle est comme ça. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Mais là, la caméra, je parais un peu blanche. Je vais essayer de régler l'éclairage. Je pense que c'est un peu mieux comme ça. Fenty, ils se lancent dans tous les types de fonds de teint. Hein, que ce soit des fonds de teint liquides. Ils avaient lancé ces fonds de teint stick. J'ai mon truc qui se barre. Maintenant, ils ont lancé les fonds de teint poudre. Enfin, toutes sortes de fonds de teint. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec ces sticks, c'est que... Moi, j'ai pris 7 teints de fonds de teint. Mais vous avez des sticks blush, des sticks highlighter, des sticks bronzer. Enfin, je trouve ça vraiment génial comme concept. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre mon pinceau Zoeva, le 102 Silk Finish. Généralement, quand j'applique des fonds de teint ou des produits teints, c'est le pinceau vraiment que je préfère. Alors, je vais y aller direct. J'ai pas envie de mettre de base. Vous savez, à chaque fois que je teste un produit teint, je veux pas mettre de base pour voir vraiment, vraiment le résultat pur, quoi, sans rien en dessous. Et alors, bon, je teste. Je vais en mettre un peu, comme ça. Voir déjà s'il n'est pas trop sec. S'il est trop sec, je rajouterai un peu de brume pour humidifier. Non, la teinte, ça va le faire. Là, à la caméra, ça paraît un peu foncé, mais c'est toujours comme ça. Vous verrez, à la fin, ça va. Je sais pas pourquoi, je suis toujours plus claire à l'écran qu'en réalité. Bon, je vais en mettre sur les zones où je me suis enlevé les points noirs et tout, là, surtout. Donc, le nez, les ailes du nez, menton. Et alors, ils disent que ça peut faire aussi concealer. Je vais essayer. En plus, j'ai pas de nouveau concealer à tester, là, dans cette vidéo. J'essaye. Franchement, j'essaye d'en mettre aussi comme anti-cerne, on va voir. Je vais pas forcément en mettre sur tout mon visage. Je vais plutôt en mettre sur les zones que je veux corriger. Donc ici, le front, anti-cerne, les pointes de l'œil, là. Enfin, la pointe de l'œil, coin externe. On a souvent des petites rougeurs. Bon, il est un peu sec quand même. Je pense qu'avec un peu de brume fixe, ça va être plus facile à diffuser. Et justement, j'ai une nouvelle brume fixe à tester, donc ça tombe bien. C'est celle que j'ai achetée chez Madora, de la marque Glam Glow. C'est la Glow Setter, qui est un fixateur de maquillage et qui est en même temps hydratant. Donc, je vais me servir de ça. Normalement, c'est à la fin, mais bon, c'est pas grave. Ouh là là, elle est super légère. Voilà, le truc, c'est qu'avec le ventilateur, du coup, elle part vers la droite plutôt que sur mon visage. Elle est vraiment très, très légère, cette brume. Vous savez, pas comme la brume fixe, par exemple, de MAC, que j'aime beaucoup malgré tout, hein, mais où on sent vraiment les gouttelettes. Là, c'est vraiment ultra léger. Ça sent bon, ça sent les fleurs. C'est agréable. Bon, j'essaye avec ça. Je pense que ça va... Ah ouais. Déjà, ça s'étale beaucoup mieux, ça se déplace beaucoup mieux là, la matière fond de teint, en humidifiant un peu. Comme ça, tout seul, je le trouvais un tout petit peu sec. C'est vrai que maintenant, les rares fois où je mets des fonds de teint, je mets plus des fonds de teint stick comme ça. Parce qu'on peut vraiment doser, accentuer les zones qu'on a envie de corriger, de camoufler. Et on se retrouve pas avec forcément toute la face placardée de fond de teint, quoi. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. Là, en quelques coups de pinceau, la matière s'est super bien déplacée. En tout cas, elle pénètre bien la peau. La teinte, ça va. Plus je travaille la matière, plus ça prend... plus ça se fond à la carnation, je veux dire. J'avais peur d'avoir pris des sous-tons un peu trop olive. Mais en fait, ça va. Je suis en train de faire les cernes, justement. Franchement, c'est super facile à utiliser. Vraiment, c'est super facile. Aussi simple que le Shiseido. J'y arrive enfin, que j'adore. Il est un tout petit peu plus crémeux peut-être le Shiseido. Mon truc va voler pendant toute la vidéo là, je pense. Et en anti-cerne, c'est pas mal. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter, plutôt que de mettre de l'anti-cerne, de mettre deux couches. Après, pour l'anti-cerne, c'est sûr que l'embout, il est un poil gros. Mais bon, en plus en ce moment, j'ai des cernes qui sont énormes. Parce que bon, même si j'ai l'air d'aller un peu mieux et tout, ça va mieux quand même. Ça va mieux, mais j'ai encore... plein de soucis, je disais à certaines d'entre vous dans les commentaires sous ma dernière vidéo, ça va mieux bien sûr, mais d'autres soucis sont venus se rajouter, enfin remplacer les anciens quoi. Je sais pas, c'est un peu une sale période hein, pour moi en ce moment. Moi je suis contente de ce produit, la couvrance c'est vraiment modulable, moi j'ai choisi de la faire légère. Allez, je vais en mettre juste un peu dans le cou,
histoire d'être à corps avec le visage. Mais je vous conseille quand même, si vous testez ce fond de teint stick, de l'utiliser avec une brume. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus simple à estomper. Bon, si vous aimez la haute couvrance, à mon avis, ça va pas vous plaire. Hein. À moins d'en mettre 3 tonnes. Regardez de près, là. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait une jolie peau, bien uniformisée. Alors, sur le packaging, ils mettent que c'est un fond de teint mat. Ça, par contre, je trouve pas si mat que ça, moi. Hein. Je trouve qu'il est quand même un peu glowy, quand même. Enfin, en tout cas, il ne ternit pas le teint. Parfois, il y a des fonds de teint, ils sont vraiment mat. Du coup, on est obligé derrière de venir mettre le blush, le bronzer, l'highlighter et tout pour redonner vie à la peau tellement ça, c'est mat. Là, non. Enfin, moi, c'est... Après, il fait chaud ici, je transpire un peu. Donc, j'ai le teint un peu glowy naturellement à cause de la chaleur. Mais je dirais pas qu'il est mat, quoi. Je dirais qu'il est entre deux. Ben, écoutez, premier produit. Franchement, c'est une belle découverte. Casse ce truc. Je vous mettrai bien sûr les prix, les références hein, en barre d'infos. Bon, finalement, je vais quand même rajouter une pointe d'anticerne. Une petite pointe. C'est pas une nouveauté, donc je le fais hors caméra, je reviens tout de suite. Anticerne appliqué. C'est quand même un petit peu mieux, je trouve. J'ai pris ma valeur sûre, hein, le Fit Me de Je mets Maybelline en teinte numéro 25. Je vais poudrer le teint. Alors, j'ai pas de nouvelle poudre, mais par contre, j'ai envie de poudrer mon teint avec cette petite nouveauté que j'avais commandée sur le site YesStyle. C'est une houppette 6 shades d'eau. Enfin, je l'ai bien dit. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Et je vous l'avais montré dans le haul, unboxing, je sais plus trop. Mais regardez comme elle est... déjà, comme elle est jolie. Franchement, c'est très, très beau. Et surtout, elle est extrêmement douce. Alors, c'est du velours. Mais je ne saurais pas comment vous dire. C'est un velours qui est beaucoup plus doux que, par exemple, le velours de ma fameuse houppette Makeup Forever, que j'utilise la plupart du temps, généralement. Là, je sais pas, il y a moins de relief, il y a moins de poils. Je sais pas comment vous dire, c'est plus plat. C'était 3-4 dollars, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment très, très, très peu cher. Shiseido, c'est quand même une super marque. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Et je vais prendre ma poudre By Terry à l'acide hyaluronique. Celle-ci, elle est teintée. Et c'est la teinte numéro 100, la teinte fer. Désolée pour les éclairages qui va et viennent parce que, encore une fois, le soleil va et vient en ce moment. C'est un truc très très bizarre. J'aime beaucoup cette poudre By Terry. C'est une valeur sûre. Elle est extrêmement fine. Elle vient matifier, mais en même temps, elle est lumineuse. Elle est très 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 bien cette poudre. J'ai jamais testé la compacte. J'aimerais bien la tester. Moi, j'ai la libre en tout cas. Alors, je vais faire un tout petit peu de baking, comme on dit. Voyons, voyons. Vous savez quoi? Je vais l'utiliser partout. La houppette, elle est super douce. Vraiment sur la peau. Oh là là, c'est super doux. Mais elle est encore plus douce que ma Makeup Forever, qui est vraiment pour moi une valeur sûre. Qui est du même niveau que la Linda Alberg, quoi. Bon, je me lâche sur la poudre. Hein. Mais ça, c'est pas grave, parce que la poudre By Terry, elle est pas du tout desséchante. Et c'est vrai qu'avec la houppette, ça pénètre vraiment tout de suite la peau. Plus qu'avec un pinceau où on a tendance parfois à balayer un petit peu. Là, vraiment, ça va permettre de fixer le maquillage, notamment le fond de teint Fenty et l'anticerne, encore plus longtemps à mon avis. Voilà, j'ai attendu 1 minute 30. Je vais prendre mon pinceau favori pour le teint. C'est le pinceau Real Technique. C'est le RT400, celui-ci. D'ailleurs, je vous le mets toujours dans la barre d'infos, tout en bas. Parce que c'est vraiment mon pinceau favori. Mais j'aime trop les pinceaux Real Technique, mais tous même. Hein. C'est pour ça que je vous mets des liens, parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et je vais venir enlever le surplus. Bah écoutez, la poudre, bon, la poudre, je la connaissais déjà. Je sais qu'elle est... Enfin, moi, je la trouve exceptionnelle, en tout cas. C'est une des meilleures poudres hein, que j'ai. Avec la Milk Makeup, notamment, c'est vraiment une des meilleures. Quand on cherche une poudre ni trop mate, ni trop lumineuse, je veux dire. Et là, appliqué avec la houppette, ça donne un résultat vraiment très sympa. L'excédent s'enlève sans problème. La houppette n'a pas du tout asséché ma peau, ni le contour des yeux, surtout, c'est le plus important. Et ça a bien, bien fait pénétrer. Regardez, je vous montre la poudre. Du coup, il n'y a aucun effet plâtre, aucun effet vraiment mat. Pour le prix, je veux dire, en gros, c'est 3 balles, 3 euros, une houppette 6 shades d'eau comme ça. Vraiment, ouais, je vous la conseille. C'est une houppette de qualité, vraiment. Putain, la Makeup Forever, elle coûte, je sais plus combien elle coûte, 25 euros, je crois, au moins, la Makeup Forever. Celle-ci, elle coûte 3 euros. C'est fou, quand même. Enfin, c'est quand même assez dingue. Je suis très contente de mon teint pour le moment. Et j'ai envie d'essayer aujourd'hui ce crayon à sourcils qui traîne, pareil, dans mes tiroirs depuis des mois et des mois. C'est le crayon à sourcils d'Yves Rocher. Et c'est vous qui me l'avez conseillé énormément dans les commentaires en me disant que les crayons à sourcils d'Yves Rocher,
qui sont à double embout, comme les crayons Anastasia Beverly Hills ou les Benefit, valaient vraiment le coup, parce qu'ils sont moins chers que les Benefit ou les ABH, mais qu'ils étaient vraiment tout aussi bien. Donc je l'ai acheté sur vos conseils. Effectivement, il n'était pas cher, hein. Je crois qu'il était à 9,90€, un truc comme ça. Donc moi, je l'ai pris, il se présente comme ça. Bon, là, il y a encore le plastique. Moi, je l'ai pris en teinte 03, c'est-à-dire brun. Je crois que c'est la teinte qui est juste avant le noir. Et alors, je suis en train de galérer à essayer d'enlever le plastique avec mes ongles. D'ailleurs, je suis allée refaire mes ongles, vous voyez. J'ai choisi de faire cette couleur-là. En fait, elle m'a montré, je pars en live, hein. Elle m'a montré tous les échantillons, là. Et quand j'ai vu cette couleur, elle s'appelait Red Satin, donc rouge satin. Franchement, j'ai craqué. J'ai eu un coup de cœur sur cette couleur-là. C'est pas vraiment rouge, c'est plutôt bordeaux, avec ces couleurs satinées comme ça. Vous savez que moi, je fais toujours l'annulaire avec une petite touche de paillettes ou une couleur différente. C'est mon petit truc à moi. Et j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Et moi, vous savez, je m'en fous des saisons, hein. Je m'en fous complètement. Que ce soit pour les ongles, pour le look, pour le make-up et tout, je vois plein de gens qui s'habillent, qui se maquillent, qui se font les ongles et tout en fonction des saisons. Mais alors moi, ça, je vais vous dire, je m'en fiche complètement. Je pense que c'est dû au fait qu'ici, à La Réunion, il n'y a pas de saison aussi. Enfin, il n'y a que deux saisons, l'hiver austral, l'été austral, mais il fait toujours beau. Donc, c'est comme si c'était un peu toujours l'été, en fait. Et c'est galère à enlever, par contre, ces packagings en plastique collé là. Ça me saoule, ça. Alléluia, j'ai réussi. Donc, d'un côté, vous avez le petit goupillon, comme ça. Ça, c'est top. Pour moi, maintenant, dans un crayon à sourcils, il faut un goupillon. C'est obligatoire. Et de l'autre côté, vous avez la petite pointe. Donc, on est sur les pointes vraiment très fines, comme voilà, le Browies d'Anastasia Beverly Hills ou le Precisely My Brown Pencil de chez Benefit. Moi, perso, c'est ce que je préfère. Dessus, il marque stylo sourcil précision 12 heures. Voilà, moi, j'ai pris la teinte 03 brun. Donc, écoutez, on va tester. Ouais, et sur les ongles, je sais qu'il y en a plein qui diraient, par exemple, ce type de couleur, c'est très joli pour Noël et tout ça. Mais moi, franchement, je m'en fiche. Si j'ai envie de porter du rouge, du doré en plein été, ou même sur les maquillages, j'avoue que moi, les saisons... Enfin, je me maquille pas du tout en fonction des saisons. Je fais ce que j'ai envie de faire, en fait. Je sais pas, ouais. Je dis ça parce que je le vois beaucoup, beaucoup dans les vidéos sur YouTube. Ça, c'est telle couleur de plutôt telle saison, telle saison, telle saison. Mais bon, je pense que c'est lié aussi au fait que je suis à La Réunion. Hein. Il n'y a pas d'automne, il n'y a pas de printemps. Donc, je vais d'abord les recoiffer un petit peu mes sourcils. Oui, je les ai coupés en plus parce qu'ils commençaient à être vraiment très longs. Et là, il faut vraiment que je reprenne rendez-vous pour refaire mon micro-blending parce que ça fait presque 2 ans que je l'ai fait. Donc là, vraiment, il faut que je refasse. Bon, d'habitude, quand je fais mes sourcils, j'ai souvent besoin de mes deux mains. Mais là, je vais essayer de les faire avec vous quand même. Chez Yves Rocher, il y a quand même souvent des petites pépites make-up. Hein. On n'y pense pas toujours, mais... Et qui sont pas très très chères. En plus, il y a les cartes de fidélité tout le temps. Vous savez, les bons cadeaux, tout ça. Il y a toujours plein de trucs. En tout cas, la pointe, elle est super grasse. Elle marque tout de suite. Il n'y a rien de pire qu'un truc super sec, là. C'est horrible. Faire un peu l'arcade, là, la pointe... C'est ça pour moi qui est le plus important, surtout comme j'ai la paupière qui tombe, c'est de bien marquer l'arcade sourcilière pour essayer de surélever un peu le regard. Et je finis un petit peu comme ça, voilà, par la queue du sourcil. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un avec vous et l'autre, je le ferai hors caméra. Et là, vous voyez, je suis même obligée de colorier un petit peu au milieu parce que comme le micro-blending se fait la malle, j'ai des zones là qui sont clairsemées et donc on voit la peau à travers. Bon, là, la tête, elle est un peu carrée, hein, mais après, je vais venir estomper avec le goupillon, bien sûr. Eh, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Il fait... Oula ! Qu'est-ce que c'est que ce temps ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, ça m'agace ! Quand tu veux faire des vidéos de qualité et qu'à cause de la luminosité, tu n'y arrives pas ! Je m'énerve toute seule, hein, mais bon, j'ai l'habitude. Franchement, là, j'estompe... Mais limite, ce serait même pas la peine, quoi. La pointe, elle est tellement grasse que ça laisse très, très peu de marques. J'estompe vraiment histoire de, hein, pour utiliser le goupillon, mais... Ouais, c'est vraiment super. Et la teinte, elle est parfaite. Si vous avez la même couleur de cheveux que moi et de sourcils, à peu près, hein, cette teinte 03 brun, là, elle est nickel. Ni trop clair, ni trop foncé. Bah écoutez, je suis vraiment contente parce qu'il est moins cher que les deux crayons que j'ai l'habitude d'utiliser dont je vous parlais tout à l'heure. Et il est vraiment tout aussi bien. Je dirais que c'est vraiment la même qualité, quoi. Allez, je vais faire l'autre sourcil. Bah écoutez, j'ai fait les deux sourcils et franchement, je suis hyper satisfaite. Regardez de près, ça fait extrêmement naturel. On dirait vraiment que ce sont mes sourcils.
On ne voit pas les traces de crayon. Enfin, c'est vraiment très, très naturel. Je suis vraiment contente de ce petit produit. Je veux dire, il est parfait, il n'est pas cher. La teinte est nickel. Voilà, c'est une pointe très fine, grasse, qui s'estompe parfaitement avec le petit goupillon. Vraiment, j'ai rien à dire. Je vous le conseille à 100%. Bon, je vais finir un peu mon teint. Je vais mettre un peu de bronzer blush avant de passer aux yeux. J'ai pas de nouveauté bronzer blush, donc je vais prendre des produits à moi. Pour le bronzer, je prends une petite poudre bronzante Nocibé, comme ça, que j'aime beaucoup. C'est la teinte numéro 1 Do You Do You. Il s'appelle bronzer poudre, hein, tout simple. En fait, vous voyez, il y a deux teintes à l'intérieur. Une un peu plus foncée et une un petit peu plus claire. Et un est légèrement irisé, ce qui fait qu'il apporte cette touche, voilà, cet effet vraiment bonne mine. Et en plus du hal, un tout petit peu de luminosité au teint. Moi, j'adore. Et oui, du coup, cette semaine a été un peu plus calme, franchement, que la semaine dernière. Même si, comme je vous disais, ben, d'autres soucis se sont rajoutés à la place des premiers, mais beaucoup moins importants, voilà, pas des soucis de santé, etc. Et cette semaine, je me suis occupée de moi aussi, et ça, ça m'a fait du bien. Je me suis occupée de ma peau, voilà, je me suis fait des peelings, des gommages, des soins, je me suis occupée de mes cheveux, j'ai refait ma couleur, ça m'a fait du bien. Je suis allée faire mes ongles ben, de main, de pied, voilà. Et tout ça aussi, c'est des toutes petites choses. Mais le fait voilà, d'avoir les ongles faits, que ce soit les mains, les pieds, bah déjà on se sent plus joli, on se sent mieux. Le fait de faire la couleur aussi, bah, ça fait du bien. On n'est pas là avec les cheveux blancs et tout qui nous dérange. C'est plein de petites choses, mais il faut prendre le temps de les faire pour se sentir mieux. Après, on a chacune nos petits trucs, hein. Et moi, je sais que déjà, voilà, quand j'ai mes cheveux qui sont bien colorés, que j'ai plus de cheveux blancs, que j'ai des jolis ongles, déjà, je me sens mieux dans ma peau, je me sens plus jolie. Là, j'ai envie aussi de prendre rendez-vous assez rapidement pour refaire mon microblending. Ça, c'est pareil, ça fait 2 mois que je repousse. Je prends pas le temps, en fait, quoi. Voilà, il faut que je me pose. Il faut juste appeler, comme j'ai fait pour mes ongles et tout. Et une fois que tu as pris ton rendez-vous, une fois qu'il est posé, tu sais que c'est bon, c'est fait. Mais il faut juste faire la démarche, quoi. Ça paraît tout bête, mais faut le faire, quoi. Faut faire la démarche de prendre soin de soi. Même si c'est, comme je vous dis, des tout petits trucs assez futiles. Mais si nous, ils nous permettent de nous remonter un peu le moral, de nous rendre un peu plus jolis de l'extérieur, ça fait du bien à l'intérieur. C'est ce que vous m'avez dit dans les commentaires. Prends soin de toi. Essaie, malgré tous les trucs que tu as à gérer, de te faire un peu plaisir à toi aussi. Et moi, au-delà des loisirs que je peux avoir à côté, ça me fait du bien. Tout ce qui est beauté, prendre soin de moi, ça, c'est quelque chose qui me fait du bien et qui, personnellement, me redonne confiance en moi et me redonne un peu de boost, quoi. Bon, j'en mets pas beaucoup. Vous voyez comme il est joli, ce bronzer. Il est vraiment très léger. Je sais pas ce que je vais mettre comme blush. J'ai envie de mettre un truc un peu rosé aujourd'hui, tiens. Je vais regarder. Toutes mes petites réserves sont derrière, c'est très pratique. D'ailleurs, je vais essayer de réaménager un petit peu mon petit coin make-up, là. Je vais prendre le blush Clarins, comme ça, le joli blush. C'est la teinte numéro 6, celui-ci, Cheeky Coral. Alors, j'avais dit que j'avais envie de prendre un rosé, mais vous allez voir. En fait, il est corail, mais il est entre deux, en fait. Je dirais que c'est un rose corail, ouais, un peu hybride. Et par contre, je vais tester avec vous un nouvel highlighter que j'ai, pareil, dans mes tiroirs depuis je sais pas combien de temps. C'est l'une d'entre vous qui, sous les commentaires d'une de mes dernières vidéos, m'a demandé si j'avais cet highlighter, parce qu'en fait, je l'avais présenté dans un haul. J'avais acheté le coffret Fenty avec l'highlighter Diamond Bomb et le petit gloss. Et j'avais testé le gloss et pas l'highlighter. Et elle m'a demandé qu'est-ce que tu penses de l'highlighter et tout. Et je me suis dit, mais j'ai complètement zappé de tester l'highlighter. Donc, je lui ai promis que je l'intégrerai dans une prochaine vidéo crash test. Même si j'ai plus trop le réflexe de mettre des highlighters, c'est vrai que... Comme ici, avec la chaleur, on a un peu un glow naturel. Bah écoutez, avant de passer aux yeux, je vais tester l'highlighter hein, pendant qu'on y est. Donc c'est celui-ci dont je vous parlais, le Diamond Bomb, qui est tout petit mais trop mignon, regardez. Tout argenté comme ça. Donc c'est la gamme Diamond Bomb, mais celui-ci, c'est la teinte, la fameuse teinte, une des plus connues, qui s'appelle How Many Carats, donc combien de carats. Parce que vous allez voir, on dirait vraiment un diamant le truc. Il est... J'avoue qu'à voir comme ça, c'est trop beau. C'est magnifique, magnifique. Alors, on va voir ce que ça donne sur le teint. J'espère que ça ne va pas faire boule à facettes quand même. Parce que vous savez que moi, généralement, j'aime les highlighters discrets, plutôt légers et plutôt dorés. Et là, on n'est pas du tout là-dessus. On est limite sur un highlighter blanc argenté. Je vais prendre ce pinceau MAC. Celui-là, c'est le 137S. C'est un pinceau que j'adore. C'est un de mes pinceaux préférés.
qui est comme ça, hyper long, mais voyez, hyper fluffy, vraiment. Les poils sont tout légers, tout doux. Et je trouve que pour appliquer les poudres qui sont très, très, très légères, ou quand on veut un résultat vraiment léger, hyper bien diffusé, c'est vraiment le pinceau parfait, quoi. Alors, je vais y aller mollo-mollo, hein, d'abord. En tout cas, quand je trempe le pinceau, là, ça n'a pas l'air pigmenté de malade. On va voir. Par contre, le miroir est tout petit, hein, regardez. Ah ouais, c'est vraiment des paillettes, quoi. Je sais pas si vous voyez, là, la caméra, si on voit quand même. Ça fait quand même... Ouais, c'est bon. Pour le coup, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de mettre. Ouais, c'est très, très, très pailleté. Je sais pas si vous pourrez voir, là, à la caméra. J'ai en rajouté un petit peu pour vous montrer. Regardez. Ça fait comme des petites paillettes argentées. Ouais, sur le visage. Alors ça, pour moi, c'est plus un highlighter, comment dire, de soirée, de fête. C'est pas l'highlighter que je mettrais tous les jours, quoi. Ça fait un effet un peu blanc-argenté. Je pense que sur des peaux plus foncées, métisses, noires, ça doit être magnifique. Mais sur des peaux claires, je sais pas... Je vais le diffuser un peu mieux. Je suis pas emballée. Ça fait joli, hein. Je trouve que, regardez, ça illumine bien. Quand on voit de loin, mais c'est vrai que quand on regarde de très très près, on voit vraiment les paillettes, quoi. Et à la limite, moi, c'est plus un truc dont je me servirais comme fard à paupières, à la limite, au doigt, sur la paupière mobile, pour apporter vraiment de la lumière. C'est pas un truc que je vais porter souvent et c'est pas un truc que je vais finir, je pense. Vous voyez, c'est pas le genre de produit que je vais tellement aimer que je vais le terminer. J'utiliserai assez rarement, je pense. Mais il en faut pour tous les goûts, hein. Ok, sur les yeux, je vais faire un truc assez léger. Parce qu'en plus, dans une heure, je dois aller chercher ma fille, puisqu'on va retirer les points de suture. Et alors, j'ai envie de tester encore un produit Yves Rocher. Ce sont les stylos Yves Rocher pour les yeux, les crayons. Stylos regard waterproof. Et je ne les ai jamais testés, figurez-vous. Donc, j'en ai un noir et un marron, là, en réserve. Mais j'ai envie d'utiliser le marron aujourd'hui. Donc, ils se présentent comme ça, hein. Ils sont tout simples. Le même packaging que pour le produit à sourcils. Donc, le truc impossible à retirer. J'en ai pour 10 minutes. Hein. Vous savez ce que j'aime faire généralement, c'est-à-dire un ras de cils qui se finit un peu en liner pour un œil un peu... juste un peu fumé, un ras de cils intensifié avec un coin externe un peu surélevé. Très léger, mais vous allez voir, ça met en valeur les yeux. Et j'ai envie de tester aussi le nouveau mascara de chez Lancôme, le Lash Idol. Donc ça me fait très 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 envie. Voilà, je vais essayer ça, c'est tout. Donc j'ai pris le noir, mais aujourd'hui je vais essayer la teinte 06 brun. Que souvent je le fais soit avec un noir, soit avec un marron foncé, ça dépend, pour un mini effet smoky, mais là c'est vraiment mini quoi. Donc on est sur un crayon yeux rétractable, qui a l'air assez gras quand même. Regardez quand on trace, tac, il est assez gras, hein, il marque tout de suite, rétractable, et de l'autre côté on a un petit embout avec une sorte de taille crayon, si on veut affiner la pointe. En fait, ils mettent brun, mais il n'est pas si foncé. Je pensais qu'il serait plus foncé. Là, il est quand même assez clair. Il y a peut-être la teinte brun foncé, la numéro 7, à voir. Donc d'abord, ce que je fais, c'est que je trace mon ras de cils supérieur avec. Et ensuite, je fais la petite queue au coin externe de l'œil. En fait, je me sers du crayon pour faire comme un liner. Parce que comme je l'estompe, ça donne un petit effet fumé qu'on n'a pas avec un liner classique. Quand j'ai pas trop le temps, mais que j'ai juste envie d'avoir un regard un peu intensifié, je fais ça. Ce que j'appelle souvent le make-up un peu à la Penelope Cruz, vous savez. C'est tout simple, mais ça met en valeur les yeux. Après, rien n'empêche de rajouter une petite pointe de fard irisé en plus au centre de la paupière mobile pour illuminer un peu, si vous avez envie. Ben, il marque aussi bien que sur la main, hein. Franchement, il est super gras. Donc, il faut bien l'appliquer au ras des cils, hein. Qu'on ne voit pas de peau entre le ras de cils et le crayon, sinon c'est vraiment pas beau. La pointe, elle est précise. C'est vrai que maintenant, la plupart des crayons, que ce soit pour les yeux ou pour les lèvres, la plupart, ils sont rétractables, hein, maintenant. Bon, là, j'ai fait mon ras de cils supérieur. Nickel. La teinte est parfaite. Sachez que le marron, je vais pas faire une vidéo sur la colorimétrie, mais le marron et le noir, ça va à toutes les couleurs d'iris. Voilà, quelle que soit la couleur de vos yeux, ça va les mettre en valeur, vraiment. Donc, c'est deux teintes sur lesquelles vous pouvez pas vous planter. Et ce que je fais ensuite, c'est que, tac, je vais me faire un petit coin externe, mais là, j'ai besoin de mes deux mains, par contre. Et ensuite, tout simplement, avec mon doigt, je vais venir estomper un tout petit peu. En fait, je vais du coin externe de mon œil, je prolonge un tout petit peu vers la queue de mon sourcil. Vous voyez, comme ça, là. Là, je ne prends pas mon petit accessoire, je le fais comme ça, direct. Et je viens relier là au milieu. Vous voyez ce que ça donne, là, pour le moment, sur cet œil-là.
J'ai pas encore estompé, je vais faire la même chose ici. J'ai rajouté du crayon marron en mucus supérieur et j'en ai mis un tout petit peu là, ici, là, en coin externe en bas, mais vraiment genre 4 mm quoi. Et c'est tout. Je suis venue là avec mon doigt, un tout petit peu le fumer, que ça fasse un petit effet estompé. Et j'adore faire ça, moi. J'adore faire ça, ça prend 2 minutes. Et je trouve quand même que ça transforme le regard, enfin surtout après le mascara. Donc on va le tester. Mais pour finir sur ce crayon, franchement top, quoi. Il coûte pas cher, les crayons Yves Rocher, je crois qu'ils sont entre 5 et 6 euros. Bon, je vous mettrai en dessous, mais de mémoire, c'est ça. Ils sont gras, rétractables. Donc on va essayer ce petit fameux mascara, là, le Lash Idol de chez Lancôme. C'est le tout dernier sorti, en fait. Donc moi, j'ai eu un petit format, il se présente comme ça, mascara volume pour des cils recourbés. A priori, il apporte pas de longueur. On est vraiment sur voilà, un volumizing mascara. Alors, on va voir ça, brosse à 360. Ouais, si on regarde l'effet avant après derrière, c'est quand même assez impressionnant, hein. Je sais pas si vous verrez là le avant après, et je vous avais montré la brosse, il me semble. C'est vrai qu'elle est intéressante, la brosse. Je sais pas si c'est exactement la même brosse que dans le format full size, mais regardez, elle est comme ça inclinée avec des tout petits picots. Donc je pense que pour attraper les cils, ça doit être parfait. Moi, je prends bien du bas là pour attraper les cils. Donc comme j'ai la paupière tombante, moi quand je mets le mascara, souvent je me mets comme ça pour éviter qu'il y ait des taches au-dessus. Alors effectivement, la forme de la brosse, je suis d'accord, ça permet de bien choper les cils parce qu'elle prend vraiment la forme de nos cils, quoi, en fait. Et les petits picots aussi. Ça permet de bien séparer les cils. Mais c'est ce qu'on disait avec certaines d'entre vous. Généralement, tous les mascaras Lancôme, ils ont bonne réputation. Généralement, ils sont forts Lancôme en mascara. Donc, avec une couche, ça donne ça. Vous voyez déjà, on voit bien la différence, je trouve. Mais je vais en mettre une deuxième. J'ai envie d'avoir des cils bien démultipliés. Ah ouais, c'est mieux avec deux couches. Moi, je trouve qu'il apporte quand même un peu de longueur, hein. En tout cas, sur moi. Il y en a certaines d'entre vous qui m'avaient dit dans les commentaires qu'elles l'avaient déjà essayé et qu'il était top. Ouais, il est vraiment bien. Il sépare super bien les cils, il fait pas de paquets, il les densifie. Franchement, regardez, avec deux couches, c'est trop beau. C'est, ouais. Oh là là, je sais pas si vous voyez bien la caméra, là, regardez. C'est un beau mascara, hein. Franchement, ouais, je suis contente. Allez, je vais faire l'autre œil, parce que là, quand même, il n'y a pas photo entre l'œil droit et l'œil gauche, hein, on est d'accord? Pas mal du tout, hein. Vraiment, regardez, je me rapproche au max du max. Regardez la densité qu'il apporte aux cils. Ça les démultiplie, je dirais quand même x2, x3. Il est super, super mascara. J'en ai mis un petit peu sur les cils du dessous, mais que côté externe, là où j'ai mis un peu de crayon marron. Et j'avais envie de tester avec vous un crayon lèvres Adopt que j'ai acheté 1 euro. Donc quand même pour 1 euro, je voulais voir ce que ça valait. Ils sont hyper grands en plus. Ils font 1,5 g. Regardez la taille du crayon lèvres. Alors, par contre, ils sont pas rétractables ni rien. Hein. Pour 1 euro, faut pas non plus demander la lune. Moi, j'ai pris une teinte comme ça... voilà, vraiment nude, qui va avec tout. Je voulais tester avec vous parce que... Ah si, il est rétractable. Ah ben punaise, 1 euro le crayon rétractable. Franchement, si ça vaut le coup, foncez, hein. On va tester. Alors par contre, la teinte, regardez en bas. Je pensais à le voir comme ça, parce que j'ai pas pu l'ouvrir, bien sûr, en magasin. Je pensais que c'était un peu un nude rose. En fait, c'est plus un rose rose, hein. Mais bon, ça tombe bien, parce que vu que j'ai les yeux hyper light et le teint light aussi, je voulais des lèvres un peu peps, donc bon, c'est l'occasion. Regardez, je fais un seul passage, regardez. Putain, franchement, vous avez vu en un seul passage l'opacité que j'ai? 1 euro. Non, j'en reviens pas, quoi. Mais vous savez ce que je vais faire, en fait? Je vais remplir toutes mes lèvres avec et je vais mettre un gloss dessus. Ah, ils sont crémeux, mais on dirait un rouge à lèvres. C'est incroyable. Regardez, je vais faire la lèvre du haut avec vous. Regardez. Putain, je me suis un petit peu emballée, là, du coup, je vous parlais. J'ai un peu dépassé. Voilà. Et je suis épatée. Je suis vraiment... Bon, moi, j'overline pas, hein. Vous savez, je déteste ça. Et surtout, 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 je mets en valeur l'arc de Cupidon. Je ne le cache pas, bien au contraire. Je trouve ça trop dommage de faire ça. Et franchement, je sais pas quoi dire. Je vais redire la même chose, mais je suis épatée de la qualité du crayon. Regardez cette jolie teinte rosée. Alors moi, j'ai pris celle-ci. Ouais, je vous ai même pas dit quelle teinte c'était, ça. Ça, c'est la teinte 07. Donc, on est sur un rose, quoi. Mais il y a plein de teintes. Je pense que je vais aller m'en acheter d'autres. Je vais me prendre un nude. Je vais me prendre je sais pas quoi. Mais pour 1 euro, ils sont gras. Je pourrais même rester comme ça, là. Ils sont... on le sent pas du tout. On a même la sensation d'avoir les lèvres hydratées. Je sais pas comment vous dire. Putain, je suis épatée. Pourtant, c'est Adopt. 1 euro. Écoutez, je...
Et je crois que c'est la plus grosse surprise de cette vidéo, ça. Et donc, ben, franchement, vu ce que ça donne, je vais juste mettre un petit gloss sympa par-dessus et je pense que ça ira. Ah, j'ai trouvé ce qui pourrait bien aller avec, à mon avis. C'est le gloss Fenty Beauty en teinte Fussy, justement. C'est cette teinte-là, un petit peu rosée métallique. Je pense que ça, par-dessus, ça peut être super sympa. On va tenter, de toute façon. Hein. On est dans un crash test. Je suis sur une bouche un peu Barbie, hein. On parlait des saisons tout à l'heure. Pour le coup, là, au niveau de la bouche, je suis bien dans le thème printemps-été, hein. C'est bon, hein. Non, mais je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça va plutôt bien. Vu que le make-up des yeux, vous voyez, vraiment light, hein. Crayon, mascara, sourcils. Ça fait, ça fait ressortir la bouche. Bon, c'est très, très, très girly, hein, cette teinte-là. Mais bon, il n'y a pas que celle-ci. Ça, c'est la 7, si ça vous intéresse. Mais avec le gloss par-dessus, moi, j'aime beaucoup. Par contre, je vais aller retrouver mes filles. Je vais les embrasser. Elles vont se retrouver avec du rouge à lèvres partout sur les joues, comme d'habitude. On va finir. Ben, je vais fixer le tout avec la brume Glam Glow, là, justement, la Glow Setter. Et à mon avis, on sera... Je vais me mettre comme ça, parce qu'il y a le ventilateur. Ce sera pas mal, hein. Oh, j'adore cette brume. J'adore. Elle a une odeur. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça sent vraiment les fleurs. Et d'ailleurs, il marque peut s'utiliser à tout moment de la journée pour rendre à votre teint tout son éclat. Parce que je vous disais, elle est fixatrice, mais aussi hydratante et effet glow, quoi. C'est pour ça qu'elle s'appelle Glow Setter. J'ai laissé la brume pénétrer un tout petit peu ma peau. Franchement, en 30 secondes, tout était sec, absorbé. Nickel, on verra si elle permet vraiment de maintenir la tenue du make-up. En tout cas, voilà ce qu'on a donc au niveau du résultat final. Bah écoutez, moi je suis quand même super contente de quasiment tous les produits. Je vous ai donné mon avis au fur et à mesure de la vidéo. Ces deux produits-là, là, le fond de teint Fenty, vous m'avez vu l'utiliser là en début de vidéo, ainsi que la brume, c'est de très très belles découvertes, je suis vraiment contente. Les deux produits Yves Rocher, que ce soit le crayon yeux ou le crayon sourcil, pareil, très très belle découverte à petit prix. Pourtant, c'est Yves Rocher, mais je vous assure, et je pense que vous l'avez vu en image, ça vaut largement ce type de produit vendu par des grandes marques beaucoup plus chères généralement. Donc, vous pouvez foncer, faites-moi confiance. Le crayon Adopt, le crayon lèvres à 1€. Franchement, je suis épatée. La houppette Shiseido aussi, je suis super contente. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que pour 3€, une houppette de cette qualité, pour moi, ça vaut vraiment le coup. Voilà, peut-être le seul petit bémol, c'est l'highlighter Fenty Beauty. Mais après, c'est surtout personnel. C'est pas le genre d'highlighter que j'ai l'habitude de porter. Moi, je suis plus dans ce qui est doré. Là, déjà, c'est argenté. Je suis plus dans ce qui est satiné, là c'est plutôt paillette, mais je vais le garder parce que, comme je vous ai dit, pour des make-up de fête ou en fard à paupières, je pense que ça peut être pas mal du tout. Cette petite crème Origins là que j'ai mis au tout début au ginseng, je pense qu'elle a aidé aussi à redynamiser un peu, à repulper ma peau. Donc je pense que ça a aidé, voilà, à ce que le make-up soit plus joli aussi. Franchement, je suis plutôt satisfaite par rapport à la tête que j'avais au début avec mes zones de rougeur partout, d'épilation, de points noirs. Voilà ce qu'on a d'un peu plus près. Ça m'a permis de vous montrer quelques nouveaux produits que j'avais en réserve et que j'avais pas encore utilisés. De vous montrer un autre make-up. Vous voyez ça là? C'est tout simplement ce que je fais quelques matins où je suis pressée, j'ai pas beaucoup de temps. Mais je trouve que ça met en valeur les yeux avec des sourcils bien redéfinis. Dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage, ce que vous pensez de ces produits. J'attends vos retours dans les commentaires avec impatience. Vous savez que c'est le plus important pour moi, les commentaires et d'échanger avec vous. Bien sûr, laissez-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, évidemment. Je suis bien, bien, bien contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!